L'air nous appelle, Capitaine. On répond ? Choisissez et Scarlock ramasse. Je parie que l'Engoulou et de marchands ont les biens qu'il nous faut. Donnez toute la toile.
mot ne sort de sa bouche. Je peux vous fabriquer une belle arme, mais n'allez pas vous tirer dans le pied. Rappelez-vous, on ne se connaît pas. Bienvenue, capitaine. Je vais devoir vous trouer le crâne. Où est-ce que vous m'apportez du bois? Et par là, j'entends le bois de fer, l'acacia, le genévrier, tous les troncs que vous trouverez. Tous les pirates de ce port ont grand besoin de ce que je propose. Ces mains peuvent transformer tout ce qu'offre la nature en quelque chose d'utile. Je raffine les matériaux bruts pour en faire des produits transformés. Planches, étoffes, lingots, n'importe quoi, moi, Vera, je peux le fabriquer. Portez-vous bien, capitaine. Vous avez du travail à me proposer? Prenez soin de votre... Ujambo, jusqu'à présent, vous avez tenu grâce à la chance. Mais pour vous tailler une réputation ici, il va falloir vous salir les mains. Telle est la vie chez les pirates. Vous en voulez? Cela me plaît. Mais faites bien attention et veillez à verser un autre sang que le vôtre. Nous pouvons nous entraider, vous et moi. Apportez-moi du bois de qualité et je vous fabriquerai ce qu'il y a de meilleur sur l'île Rouge. Ivio, nos deux renommées en profiteront. On me trouve toujours ici. Je me moque de cette foutue prophétie. Le fameux de la mer ne marque jamais le plan. Bienvenue à mon entrepôt. Votre espace, à votre guise. Revenez, si vous voulez stocker. Tu as déjà navigué dans les mers du Nord, toi? Ouais, et je me suis bien gelé les baloches. Regarde ça. Aujourd'hui, demain on sera peut-être tous morts. Ah oui, quoi à ça.
Bienvenue au magasin de Macaulay, Captain. Pour acheter ou vendre des vivres, comptez sur moi. Mais si vous essayez de m'entourlouper, je vous arrache la tête comme un requin. À part cela, je suis douce comme un agneau. Équipez-vous de quoi réparer ou votre coque aura plus de... S'il vous faut des provisions, venez voir ma collègue. Les clients de Tuling ont un penchant pour les autistes. Leur demande occupe Scarlock. Et nous.
Même les requins n'ont pas supporté votre... Bonjour, jeune pirate. Faites bien de vous organiser. Lire, c'est maîtriser le temps. Je viens des Hautes Terres, et mon village a été massacré par le clan de Farah. J'ai perdu tous ceux que j'aimais. Vos biens sont en sûreté ici. Comment ça, il a perdu son navire en pleine mer? Une vague scélérate. C'est vite fait, tu sais. Il paraît que ton grand navire. Il bien une autre tournée. Ça a l'air. Tu as un cotre maintenant? Plus féroce qu'on l'imagine. C'est un exploit dont on ne parlera pas. Mais tu m'as rapporté une belle cargaison, crevette. Mes hommes ont inspecté les marchandises. Ils ont trouvé ce manifeste, un germe de rumeur, qui fleurira très bientôt. Quelque chose d'énorme s'annonce. Manowar, une force d'invasion, un navire apportant la peste. Qui sait? La compagnie graisse les rouages d'un sombre dessein. Mais j'ignore encore lequel. C'est chose faite depuis longtemps. Certains des capitaines qui servent ma cause sont bien implantés chez les Français. Pour l'instant, mes agents au sein de la compagnie n'ont rien découvert. Nous restons dans le noir. Je vais écraser un peu davantage leurs museaux crasseux. Les rats sont des êtres qui tiennent à leur peau. Si mes agents n'apportent guère plus que pain sans sel et eau croupie, sache que c'est à toi que la tâche reviendra.